Résident de Dogtown, votre attention. Ici Kurt Hansen. Un avion bat. Une piole en rame. Une piole ? Meuf, on a rien pour toi. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Va faire ta valise.
Des fusillades ont éclaté sur la Une, la 166 et la 101. D'après les témoins, il s'agirait de règlements de compte entre clans. Les attaques sur les personnes... Dis, V, j'ai une affaire délicate. C'est pour ça que c'est toi que j'appelle. Le nombre d'attaques de cyberpsychos en ville est en pleine augmentation. Je t'apprends sûrement rien, mais c'est un problème important pour moi. Pour différentes raisons. Il y a des gens qui disent que la cyberpsychose peut se soigner. C'est ça. Je sais parfaitement que ça a l'air dingue, mais je crois qu'une thérapie expérimentale, c'est toujours mieux qu'une balle dans la tête. Si j'entends parler d'une possible attaque, je te contacte. Tu pourras peut-être enquêter avant que la Maxtax se ramène. Mais je te rappelle que t'y vas pas pour exécuter qui que ce soit. Essaie de neutraliser le psycho, et j'enverrai quelqu'un le récupérer. J'espère que tout est bien clair.
Thank you.
Brown vient de voir le montant de la prime sur sa tête doublé. Si vous croisez un grand connard baraqué avec une plaque faciale complète, c'est lui. Passe. Vous tenez le mot de passe ? Non ? Alors dégage. Va me voir. Il va me falloir un crasher, pas vrai? Non. Plus que ça.
officiers du NCPD ont besoin d'être secourus. Et qui de mieux que toi pour sauver ceux qui ont juré de nous protéger? En gros, ces deux poulets sont allés passer un marché avec un des hommes de Hansen, Dodger. Qu'est-ce qui aurait pu mal tourner? Tu t'en doutes. Tout. Stella, la fiancée d'un des deux officiers, te donnera les détails. Bonne chance. Stella? Est-ce qu'il y a un problème? Baissez-vous! Faut pas que les hommes de Dodger nous voient! Si ça peut vous rassurer... C'est très sérieux, ok? Faut pas déconner avec les gars de Dodger! Ok, d'accord. On est plutôt bien, en fait. J'ai besoin que vous aidiez mon fiancé Bill et son pote Charlie. Ils sont coincés dans le bâtiment de l'autre côté de la rue. Enz a dit qu'ils sont tous les deux du NCPD? Ça, et deux abrutis de première. Ils font parfois des petits boulots en ville. Ils ont voulu faire affaire avec Dodger, mais ça a mal tourné. Bill m'a appelé de l'intérieur. Il a juste dit, je cite, « C'est la merde !» Et que si je trouvais pas de l'aide, Dodger repeindrait les murs avec leur cervelle. Pourquoi Dodger vous file tous la tremblotte comme ça? C'est un dealer très proche de Hansen et un psycho complet. Il est venu à Dogtown pour éviter de purger une lourde peine. Essayez juste de pas éliminer les gars de Dodger, d'accord? Ça ferait qu'empirer les choses. Prenez cette carte d'accès. Dodger occupe un commissariat abandonné du NCPD. Les systèmes de sécurité fonctionnent encore, alors ça devrait vous aider à entrer. Les avantages de la vieille tech du NCPD... Je vous en prie, sauvez-les. Qui demande? Charlie ou Bill? C'est Charlie! Alors finalement, Stella a réussi à trouver quelqu'un! Putain, merci! Bon, on va essayer d'ouvrir ça. Putain, c'est du solide ce truc! Vous pouvez m'aider? Allez!
C'est un merde. Oui, je sais. C'est quoi ce bordel? Mais vous en faites pas. C'est pas mon sang. Il s'est passé quoi? Voyez par vous-même. C'est juste par ici. Oh merde. Lui, c'est Bill. Salut. Stella, plaisantez pas. Ça pourrait pas être plus la merde que ça. Hein? On aurait bien besoin de votre aide. Ça, je comprends. Oui, on l'a pas tué, d'accord? On vous le jure. Voyons voir. Deux types couverts de sang, enfermés dans une pièce avec un corps éventré. C'est une vraie énigme, hein? Un inspecteur mettrait sûrement du temps à tirer ça au clair. Eh ben vas-y! Tu peux lui raconter ton idée de génie, maintenant. Mon idée? Hey, c'est toi qui as organisé le deal avec Dodger. Moi, il était béton. Si seulement t'avais pas laissé un sachet de drogue devant un junkie... Et comment j'aurais pu deviner qu'elle allait le gober? Ça suffit, vous deux. Racontez-moi ce qui s'est passé. Bah, vas-y. Non, toi. Putain, je vous jure que... Bon, voilà ce qui s'est passé. Ce tchoum vole la cam de Dodger et se barre avec à Night City. Et nous, on apprend que Dodger offre une prime pour le choper et lui rapporter son sucre en poudre. On tombe sur lui pendant un contrôle de routine. Oh, une chatte pas possible. Le tchoum transportait 200 grammes de coke de synthèse. Alors on l'a coffré et on l'a amené ici. Ce tchoum a gobé 200 grammes? Putain, c'est possible ça? Bref, on se retrouve ici à attendre Dodger quand Bill pose le sachet sur la table. Et d'un coup, ce pommard de merde crie « Je vous encule, sale poulet !» et il se fourre le sachet dans la bouche. Il avait peut-être un implant de tube digestif, genre une gorge large et profonde. Ah ouais? Comme celle de ta mère, c'est ça? Non mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie, Bill? Vous pouvez pas juste lui faire recracher? On a tenté de lui faire une tréco... traco... trac... oh merde! De lui faire un putain de trou dans le cou! Impossible! Le sachet a dû se déchirer parce que il s'est mis à cracher de la mousse. Et il s'est mis à convulser avant de... claquer. Et c'est là qu'on a commencé à paniquer. Ce con a avalé pour des dizaines de milliers d'édits de cam! Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Le sachet était déjà déchiré. Ça servait à quoi de jouer les chirurgiens? On a paniqué, ok? Ça arrive au meilleur, non? Oh, putain. Il n'en reste plus rien. Et tout a été dissous. Et maintenant, Dodger va nous buter. Donc vous lui avez ramené le type qui avait volé sa cam. Sauf qu'il n'y a plus de voleur, ni de cam. Ouais, c'est à peu près ça, quoi. Il faut que vous nous aidiez à nous tirer de là. Ok, alors on se bouge. Et attends, il y a un dernier petit détail, quand même. On est venu en voiture de patrouille et il faut qu'on la récupère. De mieux en mieux. Vous l'avez laissé où? Dans le garage. Alors en route pour le garage. C'est officiel, V. Te voilà enfin dans la cour des grands. La cour des abrutis de première, pour être exact. Sympa de te joindre à nous, Johnny. Oh, ton avis est toujours aussi précieux. Stella va me tuer si elle apprend ce qu'on a fait. Je suis un mort en sourcil. Tu sais ce qu'il te faudrait? Quoi? Une bonne grosse paire de couilles. Oh, parce que toi, tu te prends pour un dur. Ah, c'est vrai, tu bégayes pas du tout devant le capitaine à chaque fois. Je bégayais pas, putain. Ils nous ont déjà fait passer par ici. C'était quoi le code, déjà? 2, 8, 9, 3? C'était 2, 9, 8, 3. Abruti! C'était 2, 8, 9, 3! Je l'ai vu le taper! Vas-y! Ça marche pas! Je te l'avais dit! C'est 2, 9, 8, 3! Garde Dodger! Attention! Hein? Merde, il y a une autre porte. Elle est fermée. Encore? Putain, les gars. Eh, c'était pas nous, ok? Il doit y avoir un interrupteur quelque part. Dodger va nous couvrir des dits, Bill. Le feu est infaillible, Bill. Fais-moi confiance, je vais te faire.
pas Pacifica? T'es trop une fiotte pour mettre les pieds là-bas, Bill? T'as peur de gagner un petit magot? La ramène pas, connard! C'est toi qui as pas pu laisser un sachet dans ta poche! Sur toi, hein. Les clés? Merde. Oh, ne me dis pas que tu les as laissées là-haut. Du calme, Choum. Elles sont juste là. Oh, merde. Eh ben ça, alors. Un comité d'accueil. Comme c'est gentil. Salut les gars. Oh, j'arrive en avance. On peut tout expliquer. La ferme. Toi, je te connais pas. Je peux savoir qui t'es? Les deux là m'ont engagé pour les aider. Hein? C'est clair qu'ils ont l'air d'avoir besoin d'un coup de main. Mais il y a quand même un truc qui m'échappe. Vous avez quoi sur la tronche? Un peu de ketchup? Vous aviez plus de serviettes? Non, c'est pas nous. Moi, perso... C'est bon, plus de danger. Dodger est mort. Ça y est, c'est fini? Ouais, il vous reste plus qu'à sauter dans votre caisse et à fuir les lieux. Ça devrait pas être trop dur. Merci. Alors, on y va ou quoi? Ouais, ouais. Hey, encore merci. Bon, je vais prévenir par radio pour leur dire qu'on rentre. Attends, je vais d'abord contacter...
dis-moi, qu'est-ce que ces poulets avaient fait cette fois? Que les choses soient claires, c'est la dernière fois que je bosse pour les flics. Tu es de mauvais poil, on dirait. Je me passerai des détails. Si le client est content, alors moi aussi. Le contrat est bouclé. Et attendez, Hans. Vous vous rappelez de notre marché? Oui, le Black Sapphire. J'ai une stratégie infaillible pour te permettre d'y entrer. Retrouve-moi au EV Arts. Ok, j'arrive tout de suite. C'est un endroit tranquille. Alors tenez-vous correctement, ok? On a des yeux partout. Retourner au travail, ok? Ok. Ah, mais c'est V. V, ma merc préférée. Splendide. Ce que tu as fait pour moi, ça a considérablement changé l'équilibre des forces avec Hansen. Excellent travail, exécuté à la lettre. Arrêtez, Hans. Utilisez la flatterie, sérieux? Ça vous ressemble pas. Une tactique vue et revue, je te le concède. Mais non, V. Nous sommes là pour parler affaires. Pour ceux qui font bien leur travail, faire leurs éloges revient à énumérer des faits. Je dois dire que je m'attendais pas à ça. Rencontrer l'homme qui ne jure que par les holos, le mystérieux Monsieur Hans en personne. Non seulement tu as sauvé ces clowns en bleu, mais en plus tu as éliminé Dodger. Avec calme et professionnalisme. Bravo. Tu t'es montré digne de ma confiance. C'est pour ça que j'ai décidé de te rencontrer en personne. C'est une chose que je fais rarement, tu peux me croire. Si je faisais affaire avec plus de virtuoses comme toi, je pourrais me développer bien au-delà de Dogtown.
Dogtown, Pacifica, puis j'alignerai les autres quartiers et il n'y aurait plus qu'à sniffer le tout. C'est un véritable plaisir de travailler avec de vrais professionnels. Un régal. J'espère que j'ai pas travaillé dur pour que dalle. Ce qui me profite, te profitera aussi. C'est aussi simple que ça. Tu ne le sais peut-être pas, mais je peux t'assurer que personne n'a jamais regretté de faire affaire avec moi. J'admets que ce n'est pas forcément évident de ton point de vue, mais les contrats que tu as accomplis me permettront de déplacer audacieusement des pions sur l'échiquier qu'est Dogtown. Encore quelques coups et ce sera échec et mat. Je suppose que vous voulez plus voir Hansen aux manettes à Dogtown. Hansen a beaucoup de pouvoir, qu'il garde avidement. Et il est intelligent. Je tolère ses traits de caractère, je les estime même, s'il reste isolé. Mais tous ensemble, non. Surtout pas chez quelqu'un qui tient tout un quartier dans le creux de sa main. Ça rend les affaires délicates. Je peux te proposer un thé ? C'est un mélange personnel. Ouais, pourquoi pas. Bon, est-ce que tu sais comment cette zone de combat est devenue Dogtown ? Et si on zappait la politique pour le moment ? Allons à l'essentiel. L'essentiel ? Bien sûr. Le Black Sapphire, la forteresse de Hansen protégée par des soldats d'élite. Les quartiers militaires sont aux niveaux inférieurs, tandis qu'en haut, c'est un havre décadent pour les ultra-riches. Je tiens à dire que ça n'a pas été facile de récupérer les plans du bâtiment. Hansen cache les secrets de son hôtel avec encore plus d'ardeur que des hémorroïdes. Mais avec de la volonté, on trouve souvent une solution. Tu aides un de mes clients, il nous renvoie l'ascenseur et je gagne du terrain. Un échange de bons procédés. Les plans du bâtiment sont à toi. Je t'ajoute même les vulnérabilités à prendre en compte. Un petit gage de ma gratitude. Et j'imagine que ça va de soi, mais les données et leurs sources sont complètement sécurisées. Personne ne sait que tu les détiens. Les fuites de données ou leur absence sont la différence entre moi et le regretté Monsieur de Chaune, par exemple. L'éclat contient toutes les infos et les plans du Black Sapphire, jusque dans les moindres détails. J'imagine que ce sera suffisant pour te permettre d'entrer et d'effectuer tes pas de danse. Mais je te préviens, même avec de la préparation, tu t'apprêtes à entrer dans un nid de vipères. Fais bien attention. Merci, Hans. J'espère juste que ça ne signera pas la fin de notre collaboration. À vrai dire, je devrais bientôt avoir de nouvelles missions pour toi. Laissez-moi deviner, encore pour de la politique locale. Il y a toujours de l'action à Dogtown, et en coulisses, les intrigues sont nombreuses. S'il venait à y avoir du changement, et je suis persuadé que c'est inévitable, quelqu'un doit s'occuper de rendre la transition la plus douce possible. C'était sympa de vous voir. Je peux enfin mettre un visage sur votre nom. Tu devrais t'estimer heureuse. Très peu l'ont fait et sont encore en vie pour en parler. Une dernière chose, V. Quoi qu'il arrive au Black Sapphire, assure-toi de revenir en vie, ok ? Tu te rends dans un endroit où se mêlent politique locale et internationale. Deux très forts courants. Alors je ferai en sorte de pas me faire emporter. À plus tard, Hans. Dans une ville,
Reed, Hans m'a donné l'éclat de données. Notre ticket d'or pour entrer au Black Sapphire. Parfait, envoie-le-moi. Et t'en fais pas, la connexion est sécurisée. Yep, c'est en route. Et c'est reçu. Je vais filer tout ça, Alex. Rejoins-nous au MOS une fois que t'es prête. Si j'y suis pas quand t'arrives, attends-moi. À plus. Comme du pire. De quoi tu parles? J'en ai encore deux.